Iloko ngana condamné ezakoto makambo a lobité na ndeko na King Fally Ipupa ngana condamné plutôt tant à lobi na petit wana ya PD. Donc, il nous a confirmé qu'il partait en brode Saint-Arlouse. Moi, je dirais tout simplement, moi, je comprends pas pourquoi les gens discutent beaucoup ou se disputent. Trop de disputes. Moi, je comprends même pas parce que des hommes ne disputent pas comme ça. Des hommes, quand ça va pas, on se croise, on se cogne et puis point barre. On passe à autre chose. L'audio, là où il a dit ma carrière a été niquée, donc sa carrière a été niquée, mais moi j'ai pas vu là où la carrière de Nathi Lokolé a été niquée, parce que Nathi Lokolé reste Nathi Lokolé, hein? Non, par rapport à Ndaza Pembeni, à Fally, à Yambaka Baferité, vous savez, ça va rien changer s'il reçoit Ferré ou pas, il reste Nathi Lokolé, ça n'a rien à voir. Il y en a pétré des artistes ici, là, pétré des talents. Pembeni, il y a Fally Ipupa, alors yo reçoit. Nathi Lokolé, Fally Ipupa ba pire, otobi ya depuis kala, mais tobi ya Nathi Lokolé ayamba kali sous artiste et musicien penaté pour na Fally Ipupa comme pembeni ya Fally Ipupa, biro ya Fally Ipupa. Lelo toki odio bimi Nathi Lokolé zana kanda, alobi soki ba otinde la Fally, odio wana ayoka ayoka voice wana pour ba ko 5C jamais na parti Ambroise. Po abebi sa plus de $3,000 pour naé à Kenya na justice pour Asamba pour na parti barobo qui était ba dédicace mo Wasili Kaki ko sangisa et puis à lobby que Fally Ipupa soki abebani na mutu moko atinda la biso pe to beba la biso pe photo beba na mutu wana soki ba bongisi na mutu wana biso pe ba Nathi Lokolé il faut to bongisa mutu wana ye ba ko tinda ke bongote pour carrière na elelo ayamba resu ba leader msute soto ba leader rebelle to monada faire égal à les carapans Nathi Lokolé te ba mission belé lelo Nathi Lokolé siliki na ebité alobi a robenga muzeki ndingu ayamba na plateau soko ayamba na plateau mais ko za la somo. Pour te dire que Muzeki Ndingu polémique n'est tout monara à critiquer Fally Ipupa. C'est un plateau ya Nathi Lokolé Muzeki Ndingu à cause ça Fally Ipupa pas Nathi Lokolé Nathi Kinanu malobe pas na yo. Nathi Lokolé même de, avant que même qu'on nous on mette les pieds à Paris, vous avez vu sur les images à chaque fois que Fally Ipupa est à Paris, Nathi Lokolé est à côté. Ils se voient, ils se retrouvent, ils s'amusent ensemble. Vous voulez que Fally fasse quoi? On les a bien, mais... Attendez, mon frère. Doucement. Non, il n'y a pas des histoires de Kotinda là-dedans. Fally n'envoie pas quelqu'un. Fally n'envoie pas quelqu'un. De ce côté-là, on doit enlever ça. Vous savez, Fally Ipupa mérite le respect. Fally Ipupa, c'est le frère de Nathi Lokolé. Le lobakoïko bebana. Même 6 mois, même une année, un jour, ils vont se reparler. Ils ont beaucoup de choses en commun. Oyo, bah oumi bali ba yebi o ngano to yebite. Vous voyez, ça commence pas d'aujourd'hui. Mais eloko oyo nde auto sale et gotika la kana mitoa bato. Mais je te dis encore une fois que et puis là où je condamne quelque chose, moi je condamne pas les propos de Nathi Lokolé. Je condamne en tout cas na condamné trop yangote. Parce que Azoko c'est Azo à la Kisika Batu Oyoyaza na Oya Bombaka na Oyo Batinda Ray Sogi Bebani. Non, ça n'est pas si yo nga la loba Sogi Oyo Lobetali Moko. Et voilà Nathi Lokolé. Moi je suis pas obligé, je te dis. Donc yo nga na loba. Ko tchela ba commentaire te. Ok. Donc Nathi Lokolé à la Kisimo Kili. Et puis il a montré à Fally Ipupa qui il est réellement. Et qu'est-ce qu'il fait réellement? Donc, lelo oyonga eloko nga na sali na moni bienté par grand frère nga Nathi que j'ai beaucoup de respect, il sait que je le respecte beaucoup. Eloko nga moni pour ba grand frère na biso, il faut baza la exemple et surtout que Nathi Lokolé baza bato soko ki ba parcours na bango oyoka Atanga Mingi, Asala Université, Asala Boye. Donc il devrait être un peu exemplaire publiquement. Je condamne pas les joueurs, je condamne pas l'équipe. Plutôt je condamne les autorités. Parce que
depuis qu'ils avaient commencé leur compétition, ils n'avaient pas eu cette nouvelle. Cette nouvelle est arrivée à la fin, au moment où on est déjà, je condamne le ministre du sport, et puis je condamne les coachs. Il fallait qu'ils les laissent, parce que la dernière fois où on a gagné contre la Guinée, c'était déjà bien. On devrait garder cette standing-là. Je pense que à la veille du match contre la Côte d'Ivoire, beaucoup de tissus battent virus la moto. Non, avant Nini Boye, Boussala Bassine, Boussala Baboye, donc Bassine a ba faiblesse, y'a ba mawa, y'a ba Nini. Je crois que Ekota qui déjà battu, Ekota qui n'a esprit. Donc je pense que, et c'est là où même je dis à la Côte d'Ivoire, qui est mon deuxième pays, Abidjan, que les éléphants, vous n'avez pas joué avec les léopards ces jours-là, avant-hier. Vous avez joué avec des âmes abattues. Vous avez joué avec une équipe qui était endeuillée. Donc, en plein deuil, c'est impossible. Spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. On vous laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, taba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Salut, c'est la vôtre Glody Diasuka, la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos amis, pour télécharger Sendwave. Sendwave, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir d'un téléphone ayo ou télécharger Sendwave. Aux Alapoto, au Kokikoti, Nambongo, partout, dans certains pays, il y a Afrique, précisément, Bissona Congo, aux Atosana Posa, soit on s'est déplacé, à partir d'un téléphone, télécharger Sendwave, Nayo, au Tindimbongo, la seconde, mon topé Azui, la téléphone, Naye, la MPSA, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobangate, Tara, Namongo, Nazana Kati, et puis cadeau, il y a Nene Oyo, ton mail bino nos bozo télécharger Sendwave, vous utilisez code promo Nanga Elengi Yakongo. Donc après avoir téléchargé Sendwave, vous pouvez utiliser code promo Elengi Yakongo. Vous en avez 10 euros offerts, 10 euros bonus, 10 euros wana, et bien si ce sont moi un plus nambongo au linaki au Tinda. En tout cas, n'hésitez pas, bana poto nyon soba congolais, tout ba diaspora, au linaki au Tinda mbongo na Congo. Télécharger Sendwave, application Kitoko pour la biso, ba congolais nyonso ayez pour faciliter biso transfert d'argent sans frais pour la mbongo au futate. Kaka na kati application au sali transfert na yo pende kono kuna enquêter le maté na mulongo pour na ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azu mbongo na ye. N'oubliez pas, il y a qu'à utiliser code promo Nanga Elengi ya Congo pour na bozwa 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, vous tchez ba coordonnées. C'est très facile à utiliser, les noms complets, les numéros, ba email, tout et qu'on s'engage. On a kimia nyos, on a tranquillité. Après avoir qu'on remplir nyos, à partir à wana, oui, que ça la transfert na yo ya ba fond, oyo lingi na Congo, le kona yo aza satisfait, malade, au bout tout, moyo kende, koti na mbongo soki wapite na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi na sécurité nyonso.
Congolais, tout, dans la Belgique, la France, la diaspora, tout le monde qui est en Congo, pour hésiter, c'est une drive et pour faciliter le transfert d'argent facile et sans frais. C'est une drive, la tranquillité. Namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste ezali susu te mais eloko ninye salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi epanui vi na ngai ekomi epanui ngamoko na komi epanui mwana na ngako yemba nde koyemba recitation nde recitation na yango na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzambe oyo asali na kati ya vi na nga meka Jésus Christ de Nazareth Commissaire au centre, Luka délivrance. Donc, mon habit, quand mon avis na yo, na zwa délivrance nanga, na tambole pa ya ba pasteur, na zwa un et l'autre côté. Mais na nzambe ya ozane ya papa Moïse, bikam e koti na vi nanga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na depression etungisi vi na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba deliverance epai ya ba pasteur ebele me bakokaki kodelivre ngai te alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambu na ngai nyonso Depression elongwe, nazwi musala, makambu na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyoyo asali na bomo na ngai. Na lopaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima. Ba oyo batambola partout pona koluka ba deliverance partout oyo sibate. Boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobota la mission na Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse affusée, ensemble na Yorobo Swag. Yorobo Swag, ensemble na Jackpot, Bomo na moi surprise Air Moko, Bomo na pe Elongi, ya Jackpot, Metoza na nous, na Yorobo Swag pour na ko éclaircir bino par rapport ya ba polémique, ba actualité oyo ezali koleka na réseaux sociaux. Toro Solali solo affaire Nati Lokole Fali Poupa. Est-ce que Bakabwani to Bazali po batobele ba benga biso balobi non ce qui fait rigola a cheka date nae po na actualité nae to monde ranga ngamba Fali distraction ezalaka misu balobi non ezabe estre zamramba solo oyo ezali koleka na kati ya F victime Fali Poupa na Europe na Nati Lokole metoza awana Europe poto solo pika yango po ezali parmi Batu o bazala rape pembeni ya Fali Poupa. Maître Robert appelé solo mimi ya bande kona biso oyo bazali na este. Kinshasa ezali Congo mobimba te. Netolo bara Congo ezara Kinshasa te. Congo ezala ba province nango oyo ba Congolais nyonso ba bazala kuna bekolo na bekolo bazala tangu na este déjà parti moko ya République démocratique du Congo bazala pasi ezola sa déjà RDC mobimba tozali na pasi to rosolali solo ya este pona bande kona biso oyo bazali na Goma bazali na batamoko ya mabe to robeta peli solo pona ko encourager surtout ba soda ya FARDC puis gouvernement na biso il faut ba tchaba moyen en jeu pour na ko soutenir bandeko oyo bazali libanda RDC liopa eloko ya makasi tokomaki na demi finale bomonaki neto bandaki bande éliminatoire ti tokomaki na demi finale donc tokatani malgré tokowe la 3e place metro solango pe ensemble na yorobo swag petit fali yorobo ezalaki base na bango babandeko sala tantôt yorobo azui ye 14 000 euros ya petit fali le lokomi petit fala lobi non yaza responsable azana mwasi na mwana mais tout le monde ke yorobo na petit fali basse sous ensemble est-ce que izaba base na bango bandeko sala bien po ba la kisara batu ki actualité zana mabongo na bango ou bien ndenge nini yorobo swag po mikolo to beta banzoto nzoto fort ba actualité ezali ebele oyo tozali ko sala ensemble yorobo swag bonjour ouais bonjour mon frère Tony santé ça va très bien Martin Ingi ça va swag les gars ouais en tout cas na monio déjà na tongo mais biso ça a trouvé mission on a ba tongo ba ouais on ensemble en tout cas na yambi bino na songo nyoso hein
tranquillement. Voilà. Donc, comme tu le vois, quoi. Voilà. Tout va bien. Merci au robot. Donc, Elenga Congo TV, Bato Touba Olanda Bisso. Merci à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, Paris Bruxelles. Merci à Ladin Fumu, Mokonza Lost, à Pessio, Bambote. Pourquoi pas à Arnold Lumono, Chekevara. Charge abattoir. Merci P. Na Enok Mala, Motomba, na Pesio Bambo, te place aux Ali. Yorobo Swag, ne tozane a poto sa l'émission, tu éclairci bino, par rapport à Mama Ramounion, so Oyo, Ezali Koleka. D'abord, avant ton kota, côté à Mama Miziki, na lingijiste, to solo lana nous, par rapport à Est, bande gonabiso, Oyo bazen na Est, O bazoleka, na moma moko, ya pas si, bien si, basoda na biso far DC, bazali toujours, ko bunda poneko, le biso peut toujours soutenir. Toujours motivé, toujours encouragé, mais bitumbezo silaté pour la M23. Message nous repère ça pour la bande de Koba Olanda pour Bino Sobolobi, Batoubayo Kaka. Yoro Boswag. Non, d'abord, Nassali Mouatoto Agoma, Watoto Est, Goma Bukavu, Watoto Walikale, Watoto Masisi. En tout cas, tunaona kokoto mipatikana Goma. Mungu atulinde tu. Tuko pamoja mkono kwa mkono. Sisi ni wandu kwenu tumebaki Kishasa. Tunafanya muziki. Nawaza tena magati. Nilikuwa Kabirere. Sami nayona muma rezo sosio. Mavita vibaya mepita Goma. Watu wamefariki. Batoto, bamama, bazazi, bababa. Inaniluma peke yake nalia kuro. Tuko pamoja, njo nalomba ye mwenye rais wa Congo, President Felix Tshisekedi, atusaidie asaidie nchi yake. Kongo ni kitu kimoja. Ukue Mswahili, ukue Mkongo, ukue Mungala, ukue Muluba, nadhani mnajua ke tuko watoto wa baba moya na mama moya. Tutajilinda pamoja na tufanye kenye iwezi kumisaidia. Sisi wene tunaimba, tunajua ke tuwezi fama message moja vizuri. Hapa hivi magatini nilipata ila habari ya watu wamekufa Goma, na ita wa ndugu wangu wa artiste wengine, tuko nabo studio hapa hivi bananita nabo watoto wa Brazzaville, ba artiste wa muziki urban ya Brazzaville bananita, bananiambia Yoro, tunaona ile initiative umekamata na sisi tunapenda kuadere ndani, kama itakuwa namna ukue pa Brazzaville na sisi tuimbe mondani jule mwimbu na watoto wa Goma baoneke, na sisi watu watoto wa artiste wa Brazzaville tuko na nabo pamoja. Donc hapa hivi tunafaa mwimbu mwa vizuri. Amani juu ya Est, amani juu ya Goma, amani juu ya Est muzima. Najua ke tuko na ba honorable mingi ya Est, kwanza kuanzia kwa kaka yangu Trezor Mutiki. Antuka ndamuita jua tutie mkono, ndaita watu wa Est wengi sana jua tutie mkono, wa kaka Peter Bikwamo, wa fande Tango Four, Amisi Bekwamo,
najua wajamadari wengi sana kenye mimi makati mimi mwenyewe nilikuwa karudogo tulikuwa pamoja. Leo hii niko artiste musicien, kama mimi nafaa kitu vile itapenda ikuwe na msaada wa kubwa, unaona, juu itusaidie message isikilike hadi mnajua. En tout cas niko na mwe limoya, Mungu amibariki, Mungu amilinde. En tout cas le reste à venir moi mwenyewe mtasikia kitu kenye yoro atatosha. Nazani kila mtu atajiretrouver ndani, hakuna wasiwasi. Na mipenda sana watoto wa Goma, tuko na moyo pamoja sisi wote juu ya Goma. Je suis Goma. Asante sana. Voilà. Merci message ya Yorobo Swag pour na bande kuna biso oyo bazana est. Donc toza toujours encourager bango ko soutenir bande kuna biso toza la bomoko makambo nyoso ekosila nango po ezali mboka na biso. Alors Yorobo RDC eloko makasi le port na biso ne babetaki bandana éliminatoire et puis bakomaki na demi-finale. Message ne repé ça lelo Léopard. Tozali na souci to kende tina suka tozwa coupe to ya nango la République démocratique du Congo mais to katen na nzela repé sa message ni. Bon, moi je dirais tout simplement que d'abord félicitations au Léopard et puis courage au Léopard. Donnez-moi deux secondes parce que je l'ai apprécié. Donc je dirais tout simplement comme j'ai dit tout à l'heure, d'abord je tiens à dire félicitations au Léopard parce que c'est pas facile. Ils ont représenté le pays valablement, mondialement, parce que la CAN là a été suivie partout dans le monde. Et puis sauf que j'avais préféré, j'avais bien voulu qu'on annonce au Léopard ce qui se passe à l'est du pays, peut-être depuis le début. Vous avez vu qu'on est au moment où on est arrivé aux demi-finales, c'est là où vous annoncez. Vous savez que vous annoncez au Léopard ce qui se passe à l'est du pays. Okay. Je pense que ça n'a pas été, en tout cas réellement, soit dès le début, on ne devrait pas adhérer à la CAN par rapport à ce qui se passe dans notre pays, soit comme on était déjà dans la course, il fallait d'abord finir la course et puis annoncer. Je pense que de l'autre côté, ça a un peu affaibli et déstabilisé beaucoup de morale de nos joueurs. Parce que je rappelle surtout que beaucoup de nos joueurs sont des joueurs qui jouent à l'international et que des gens qui jouent à l'international, ils ont toujours eu un cœur de charité. Vous voyez, à chaque fois, vous lui parlez d'un truc qui parle de paix, ou qui parle de massacres, ou qui parle de souffrances, ils sont toujours touchés. Vous voyez. Et moi, je pense que je condamne pas les joueurs, je condamne pas l'équipe, plutôt je condamne les autorités. Parce que depuis qu'ils avaient commencé leur compétition, ils n'avaient pas eu cette nouvelle. Cette nouvelle est arrivée à la fin, au moment où on est. Déjà, je condamne le ministre du Sport et puis je condamne les coachs. Il fallait qu'ils les laissent parce que la dernière fois où on a gagné contre la Guinée, c'était déjà bien. On devrait garder cette standing-là. Je pense que à la veille du match contre la Côte d'Ivoire, beaucoup de sibatou virus na moto. Non, avant ni boye, bousala ba sin, bousala ba boye, donc ba sin a ba faiblesse, ya ba mawa ya ba nini. Je crois que écoute qui déjà ba na écoute ici na esprit. Donc je pense que, et c'est là où même je dis à la Côte d'Ivoire, qui est mon deuxième pays, l'Abidjan, que les éléphants, vous n'avez pas joué avec les léopards ces jours-là, avant-hier. Vous avez joué avec des âmes abattues.
vous avez joué avec une équipe qui était en day, donc en plein day, c'est impossible. Donc je pense que c'est bien, vous avez bien fêté votre victoire, mais c'est comme si tu veux que je fasse un concert, moi en tant qu'un artiste, pendant qu'on vient de massacrer toute ma famille. Comment vous voulez que je fasse plaisir aux gens pendant que je viens de perdre ma famille? Comment vous voulez que je fasse plaisir aux gens pendant que je viens de perdre mes parents? Vous voyez un peu? C'est impossible. Donc, les Léopards, l'équipe nationale de l'RDC, étaient endeuillés. C'est impossible qu'ils jouent normalement comme... Et puis, je pense qu'au moment où on les a mis ces trucs-là, ça ne peut plus passer. C'est impossible. Regardez le jour que mon grand frère Fally Poupa nous a présenté nos visas au Romeo Golf. Moi, j'étais en deuil, je venais de perdre ma petite soeur. C'était le même jour. C'est impossible que vous me voyez joyeux, etc. Je suis juste venu, je dis merci grand frère, je suis reparti. Cette image a parlé à beaucoup de gens ont interprété, mais non, je t'endeuillé. C'est normal, quand quelqu'un il est choqué, il est mépris, il est abattu, il est triste, c'est impossible de faire des exploits, c'est impossible. Donc moi je ne condamne pas les Léopards, en tout cas Léopards, félicitations. En tout cas, on a bien fini nos séjours à Abidjan. Moi, j'étais à l'ouverture. Pendant tous ces matchs-là, j'étais là-bas avec Fally Poupa. Notre dernier concert public, avant public, Fally Poupa avait fait un concert à 1 million de francs CFA, à 2 000 $. J'étais là, accompagné d'Amadou Djabi, Samba Bachili, Eric Kassongo, Deo Kassongo, les Moutounds. Et on était vraiment, il y avait le Congo RDC était représenté. Et juste après cela, mon grand frère, quand il est parti à Paris pour le Fashion Week, après il est parti au Kamiawa. Donc moi, je devrais revenir au Congo après tout ce qui se passe à l'est du pays et que je suis un de l'est du pays. Donc je devrais un peu me préoccuper de rassembler les artistes de la musique urbaine pour faire un son. Je suis Goma pour apporter notre soutien et puis notre force à nos frères et nos sœurs et puis ainsi que nos parents qui ont perdu l'âme à l'est du pays, à Goma précisément. Donc voilà la raison pour laquelle j'étais revenu à Kinshasa vite fait. Et là je suis encore en plein studio. On a presque fini à Kinshasa. Les artistes de la musique urbaine de Brazzaville m'ont fait signe. Donc je vais aller faire enregistrer quelques-uns pour revenir encore à Kinshasa pour clipper, et les artistes de Brazza vont traverser pour qu'on clippe à Kinshasa, ouais. Tout en noir. Donc voilà, je pense que pour les Léopards, en tout cas, je suis de cœur, et surtout je condamne vraiment tous ceux qui ont quitté Kinshasa pour aller se faire plaisir à prendre des vidéos et des photos. Ils devraient attendre, parce que là maintenant et que les Léopards reviennent. En tout cas, les gens ne sont pas trop motivés, mais je demanderai ainsi qu'à toute la population congolaise de Kinshasa d'aller accueillir énormément les Léopards qui arrivent lundi là. Donc, toutes les images que j'ai vues sur Internet, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que Dadju, qui est l'ambassadeur culturel, voilà, que tu connais, au moment où Goma est en train de pleurer, Kinshasa est en train de pleurer ensemble avec Goma, lui, il est dans les matchs de football, en train de faire du loisir, en train de rire, en train de faire. Et moi, je trouve que c'était pas une bonne idée. Et surtout, lui, déjà, il devrait être exemplaire. Il devrait même plutôt revenir à Kinshasa, rassembler des artistes, faire passer un message en travers l'art qu'on fait, qui est la musique, pour que le monde entier comprenne que tous les artistes de la musique urbaine sont réunis pour une cause. Vous voyez un peu?
je trouve que sa place n'était pas là-bas, ni pour Naza, ni pour Keblack, ni pour Gradure, ni pour Tony Yoka. Vous voyez un peu, ni pour le, et tout cela, les Martin Bakole, tous ce sont des ambassadeurs culturels. Donc je pense que et puis Madame Barbara Kanan, je ne sais pas déjà qu'est-ce qu'elle fait. Je vois qu'elle est dans les histoires des artistes, mais je ne sais pas. Elle gère quoi? Mais elle aussi, sa place n'était pas là-bas. Parce que là, actuellement, on ne peut pas rire. On ne peut pas rire actuellement. On ne peut pas faire comme si ça va. Vous voyez un peu? Moi, j'ai toujours dit, vous savez, moi, avant de faire la musique, j'étais un ex-enfant soldat. J'étais un Kadogo. Je sais ce qui veut dire la guerre. Je sais ce qui veut dire le massacre. Kinshasa ont jamais connu la guerre en plein Kinshasa. Kinshasa ont jamais connu le massacre. Et je n'aimerais pas même. Mais quand vous voyez et vous attendez cela, vous devrez tous être impliqués. Beaucoup de gens m'ont dit, Yoro, ça ne nous concerne pas, le président devrait prendre ses précautions. Oui, c'est bien bon. Mais vous avez vu, vous êtes à la Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment le peuple ivoirien et le président ivoirien sont en communion. Pourquoi pas nous, on devrait travailler en communion avec le président de la République, le soutenir. Ensemble, de donner la force à nos combattants actuellement qui sont dans les axes difficiles à l'est du pays, en train de se battre. J'ai vu des vidéos où les militaires sont en train de se plaindre. Tout ça, ça devait interpeller le président de la République. Mais comment ça va interpeller le président de la République si nous ne partageons pas tout ça? Que le président comprenne que eux, donc pendant que moi je parle à XY, mais la réalité c'est ça. Vous voyez un peu, je pense que à un moment donné, c'est bien la joie, mais c'est bien les fêtes, c'est bien tout ce que nous voulions, mais vanité de vanité, tout est vanité. L'ambiance, ça ne s'arrête jamais, ça s'améliore plutôt. Ambiance, s'il a raté, tout ce que nous voyons là, et s'il a raté, même tout ce qui a raté. Merci. Yoro Boswag, message et comme il y a Mato ya Bakondi, na Mato ya Bakongolais, partout dans le monde, au Batou Bazali, à Pessidon Katoleki, une étape ya Est, une étape ya Lyopa, alors tu côté côté culture, pour toi, sur la moi, mouke, Yoro Boswag, Pembeni, ya Fali Poupa. Alors, Yoro Boswag, Nati Lokole, Fali Poupa Bapir, au Tebi ya depuis Kala, mais Tebi ya Nati Lokole, Ayamba Kalisu Soubarti, c'est musicien Penate, pour na Fali Poupa, comment Pembeni ya Fali Poupa, Biro ya Fali Poupa. Le loto ki audio bimi, Nati Lokole Azana Kanda, alobi soki ba otinde la Fali, audio wana Ayoka, Ayoka Voice wana, po bako 5C, jamais na pati Ambrose. Po abebi sa plus de $3,000 pour naé à Kenya na justice pour Asamba pour na parti barobo qui était ba dédicace mo wasilika ki ko sangisa et puis a lobby que Fali Poupa ce qui a bebani na mutu moko atinda ra biso peto beba na biso pe photo beba na mutu wana ce qui ba bongisi na mutu wana biso pe ba nati lokole il faut to bongisa mutu wana ye ba ko tinda ke bongote pour carrière na lelo a mbarasu ba leader msute soto ba leader rebelle to monada faire égal à les carapa nati lokole te ba mission belé lelo nati lokola siliki na ebité a lobi a robenga muzeki ndingu aya mbaye na plateau soko aya mbaye na plateau mais koza la somo. Pour te dire que Mouzeki Ndingu polémique, n'est tout monara a critiqué Fali Poupa. C'est qu'il y a plateau ya Nati Lokole Mouzeki Ndingu a causé ça Fali Poupa et pas Nati Lokole. Nati Kinanu malobe pas na yo pour battre ba yo karayo. Awa lelo bino na bino boromo beba na. Et qu'on souka wa pipo déjà toki ba voice. Bon, je dirais d'abord quand il y a quand Batouba c'est qui fort? Batouba Zuba raison fort? Non, je dirais. Nalobana Momke.
Balobi. Nandako oyo au vandarate au ebasika ma etangakate. Vous voyez un peu, donc il veut dire que le linge sale, c'est l'avant-famille. Moi, je ne serais pas capable de répondre dans ce genre de propos parce que, un, ce genre de propos que notre grand frère Nathie Le Collet a tenu vis-à-vis de Fally Poupa, qui est un de mes grands frères, que je respecte beaucoup, qui est un de mes grands frères qui fait la fierté de la musique africaine et pas que congolaise. J'ai pas de mots, mais si j'ai un conseil à donner à mon grand frère Nathie Le Collet, par contre, je dirais tout simplement qu'il devrait, ils doivent savoir à qui parler. Et puis, il ne devrait pas dire ce genre de trucs parce que, à l'image de Fally Poupa, une grande personnalité comme Fally, ça sonne pas bien. Moi, je suis incapable de juger qui que ce soit. Fally Poupa, c'est Fally. Là, il parle de Fally Poupa. Il n'a pas parlé de Martin Engi, ni de Yorobo, ni de... je pourrais répondre s'il avait cité mon nom. Mais sauf que, comme Fally Poupa, c'est notre grand frère qui propulse beaucoup de talents de son pays, y compris des journalistes comme Nathie Le Collet, y compris nous dans la musique urbaine, et que c'était pas bien d'écouter et puis d'entendre ce genre de choses, pas que moi, l'RDC tout entière, je pense que ça n'a pas été bien parce que Fally Poupa, il ne faut pas oublier que c'est un père de famille. Et deuxièmement, Fally Poupa, il ne faut pas oublier que c'est un patron avant tout. Il y a moi je te dirais si Nathie Le Collet peut se plaindre comme ça là, nous on va faire comment? Vous voyez? Nous on va faire comment? Il a dit, j'ai entendu seulement dans l'audio là où il a dit ma carrière a été niquée. Donc sa carrière a été niquée, mais moi j'ai pas vu là où la carrière de Nathie Le Collet a été niquée, parce que Nathie Le Collet reste Nathie Le Collet. Hein? Donc, par rapport à Ndaza Pembeni, à Fally, à Yambaka, à Ferreté. Vous savez, ça ne va rien changer s'il reçoit Ferré ou pas. Il reste Nathie Le Collet. Ça n'a rien à voir. Il y en a pétré des artistes ici, là, pétré des talents. Pourquoi à tout moment? C'est comme si je donne des conseils à la politique congolaise. Comment vous voulez qu'on puisse à tout moment se rallier devant des gens qui nous font du mal? Pourquoi vous voulez qu'à tout moment, qu'on puisse se rallier devant des autorités voleurs, criminels, financières? C'est pas normal. C'est comme les artistes aussi. Pourquoi vous voulez qu'à tout moment, on doit se rallier par des noms que tu cites là? Donc, dans la musique congolaise, il n'y a que des X, Y et puis c'est bon? Non, moi, je ne pense pas. Il y a beaucoup de pétrés de talents, plus que des noms que tu cites. Peu importe qu'ils ont eu de l'avance. Malouba est grave. Moi, je dirais simplement que... Peu importe, Nathie Le Collet, ce qu'il a réussi chez Fally, je ne pense pas que même moi, j'ai eu à voir ça. Je ne pense pas que même petit Fally a eu à voir ça. Je vous signale que depuis qu'on est à Paris... Que bandoule kozonga te chez Djonga 3 a zongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Et samedi, Bokozwa CNN Alligator Nabaninga tout awa Bokosepe la jolie qui toko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Et dimanche, Sombele Soukabisanga Bokozwa Nokolias Emeli alias de Mingongo La voix qui cloche et Longona Wenge Poussana Tovanda en matinée live Oyo Eko Banda à partir de 18h tina minuit. Kasi Tunanga Inini Kaka Soki Emeli Silesi Mbala Moko Night Club Tobo
boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo a kosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui, frère, ma vie, tu as Futur, on te reçoit la 50 boîtes. La tête à qui, c'est John Masquer. Chez Djonga, toi nga nan taba et zoami na adresse Oyo. Noisy le sec, na sima ya McDonald's, numéro 25, chemin de Grou, 93-130, Ozamo Bimba. Chez Djonga, toi nga nan taba, yangonde zali mo boko y ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, c'est votre frère, Père Condé Israël. Nous débutons l'année 2024. Dieu m'a mis à cœur de répondre aux événements sacerdotaux sur la ligne de prière. Écoutez bien, aimé. Commencez à te faire enregistrer dès maintenant. Tu te fais enregistrer pour le service de la haute spiritualité. La Bible dit, il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Il est celui qui délivre de toutes sortes d'esprits. Il est celui qui bénit. Alors n'hésitez pas de nous appeler maintenant avec ce numéro. 0033 7 66 27 40 02. Alors nous débutons l'enregistrement et le service. Nous clôturons le 8, le 9 et le 10 mars dans la grande salle Shinagora ici à Paris. Alors faites-vous enregistrer maintenant là où vous vous trouvez. N'hésitez pas, envoyez vos requêtes. Deuxième chose, écoutez bien aimé, nous sommes avec nos bien-aimés de Guadeloupe et Martinique. Le 16 et le 17, nous sommes à l'hôtel Le Caraïbe en Guadeloupe. Faites-vous aussi enregistrer. Mes bien-aimés de Martinique, nous sommes le 23 à l'hôtel La Bachelière. C'est là où nous allons prier le 23. Que mon Dieu vous bénisse. Non, mais c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, qui m'a dit que nous tous sur la piste. C'est l'homme qui soit la chef, il y a une chef, il y a une année. 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 Il y a une papa, on y évite que le laboratoire met un missile et c'est une mission solution. Où est-ce que là? Solution. Ignorant. C'est un lanceur. On m'a dit, oh yo, signaliste sipo, suppositoire, oh yo, signaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostéril, oh yo, et ça pour la faiblesse sexuelle, et pour la fragilité pour la basse, et qu'on aide ma casse. Mais borax, ce que c'est ce traitement, n'y a tout. Il y a hémorroïde, n'est-ce que yo, qu'on n'a pas coulé en haut. On a un autre abus sur ma papa. Ce qui est bon, on mesure les centimètres avant de faire ça. Pour que l'on soit ça, on mesure les sous, on commence à boxe, toujours champion. On comprend? La question nationale, la question, on consomme si comme on soutient le Congo, quand on a un laboratoire, mais un missile. Et puis, et ça, la mine, c'était à Congo. C'était caca à Congo. C'était mon soutien. Il y a Congo. Maman n'a pas consigné. Tu n'es pas trop consigné. Eh, où est-ce que tu es? Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train dans la pharmacie, il y a formation. Dans une formation, dans l'université à Kinshasa, dans la faculté à pharmacie. Et puis, dans le master, dans le niveau, il y a l'université Marie Ngouabi, puis dans le niveau, il y a Canada, dans la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique, thérapeutique, naturelle. Dans le livre, dans le laboratoire CRMTA, ou dans le laboratoire MMC, spécialisé dans la production, il y a des phytomédicaments, c'est-à-dire, qui est à partir, il y a des états dans le biseau, il y a Congo. Bah qui si nous sommes au monde à la CRMTA et subir bah essais toxicologiques et puis bah essais cliniques oh et ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude et bien et puis bah qui si on est à la CRMTA ils allent homologuer le ministère de la santé c'est-à-dire dans la autorisation
d'ouverture et d'avoir autorisation y a mis sur le marché le niveau y a Mboka et puis les bandes y a Mboka. Mais qui si on doit produire un CRMTA et puis qu'on peut m'amener à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres à la mort de Bissot, na ma tradit thérapeute ou ma naturo thérapeute. Et où y a Bissot? Awa na laboratoire, mes amis, docteur Pichu Tondele, yede savoir. Nati le collé, même de, avant que même qu'on nous on mette les pieds à Paris, vous avez vu sur les images, à chaque fois qu'il fallait pour parler à Paris, Nati le collé est à côté. Il se voit, il se retrouve, il s'amuse ensemble. Vous voulez que Fali fasse quoi? On les a bien, mais... Attendez, mon frère. Doucement. Non, il n'y a pas des histoires de Kotinda là-dedans. Fali n'envoie pas quelqu'un. Fali n'envoie pas quelqu'un. De ce côté-là, on doit enlever ça. Vous savez, Fali Poupa mérite le respect. Fali Poupa, c'est le frère de Nati Lokolé. Lelo Bakoyoko Bebana, même 6 mois, même une année, un jour, ils vont se reparler. Ils ont beaucoup de choses en commun. Oyo, Baumi Bali, Yebi, Ongano, Toyebite. Vous voyez, ça commence pas d'aujourd'hui. Déjà mito batu, mais et loco au yonde auto sale et gotika la kana mito batu. Mais je te dis encore une fois que et puis là où je condamne quelque chose, moi je condamne pas les propos de Nati Lokolé. Je condamne en tout cas na condamné trop yangote parce que azoko c'est azo à la kisika ka batu. Oyo yaza na oya bombaka na oyo batinda ka eso ki yo bebani non sana na ebisio yo yo ko nga la lo batso ki oyo lo betali yo moko e wala na tilo ko muta nga etali ngate moi je suis pas obligé je te dis donc yo yo ko nga na lo ba ko chela ba commentaire te OK donc na tilo ko le a lagisi mukili et puis il a montré à Fali Poupa qui il est réellement et qu'est-ce qu'il fait réellement donc lelo oyo nga lo ko nga na sali Namoni bienté par grand frère Nanganati que j'ai beaucoup de respect, il sait que je le respecte beaucoup. Et là on a Moni pour ma grand frère Nabiso, il faut baser là exemple et surtout que Nati Lokolé baza bateau sur qui ba parcours na bango oyoka atanga mingi à sala université à sala boye donc il devrait être un peu exemplaire publiquement. Okay. On comprend, Nakuzu et Koza Lango, mais la public est faux différent. Donc, ils ont encore la bisou artiste. Nakuzu de Koza, mais la public, photo tambo la nengue moussousou, il y a droiture. Donc, il y a condamné, et Zakoto, Makambo à l'obité, na Ndekonae, King Fali Poupa, on a condamné plutôt tant à l'obi, na Petiwana et à PD. Donc, il nous a confirmé qu'il partait en brode Saint-Arlouse. Vous voyez? Donc, et moi je dirais tout simplement, moi je ne comprends pas pourquoi les gens discutent beaucoup ou se disputent. Trop de disputes. Moi je ne comprends même pas parce que des hommes ne disputent pas comme ça. Des hommes, quand ça ne va pas, on se croise, on se cogne et puis point barre. On passe à autre chose. Mate engi mukolonga na ozana kandano en vrai na tine le message te. Sona tine le so monika na bandika mate engi nini yebano kake. C'est du loisir. Parce que mukona ozana kandano en vrai, je vais te botter sans te prévenir. Je vais te croiser dans un endroit où je vais faire comme si j'ai passé, mais je te botte comme un enfant et puis je passe tranquillement. Donc ngana na mona ke yako banda ko loba. Au lieu que vienne Abisso, na poids au ya Nati Lokolé, il fallait kakake, à Koutane na pati en bras boy, abiga ke bon. Mec, toi tu m'avais fait peur parce que moi je les ai vus. Confirme. Moi je les ai vus plusieurs fois. Na mon tout le monde na na ba concert que il m'a goûté le bien que presse à Sangsara bango. Kaselo a siliki yango wana. Mais yango siko au lieu bo Sangsara mabanga. Il faut présenter au concert que Nati Nana ni Babazo c'est beauté.
comme ça sécurité kaboli bango et puis histoire un peu vidée. Bah qu'il y a un niveau justice, il y a 3 000 $. Il y a un score 3 000, mais quand tu as si je, moi si je perds même 100 $, c'est je vais te botter pour une montée de 100 $. Donc je pense que oui, parce que si notre grand frère Nathiel Okolé est très énervé, au lieu de faire, parce que ce qui est bon, c'est que ce qui est bon, c'est que dans l'état et le groupe de l'équipe T, dans ce qui est bon, ça sert à rien de parler parce que ça vaut rien. Vous n'êtes pas des hommes, parce que des hommes ne parlent pas beaucoup. Non, parce que notre grand frère Nathiel Okolé a dit Pétuana PD. Maintenant, moi, comme je viens de Paris, vous savez, j'étais tout le temps entouré de petits bourgeois parisiens. Donc, et j'ai appris que le mot PD, c'est tellement archaïque qu'aujourd'hui, on n'articule plus ce genre de mots ou des thèmes ou des prononciations ou des slogans. Donc, aujourd'hui, on appelle ça Tarlouz. Donc, il a dit, Pati Ambray, c'est un petit Tarlouz. Bon, c'est bien bon. En tout cas, je ne suis pas dans les affaires là. Actuellement, moi, je suis plus avec les gens de l'Est. De cœur avec les gens de l'Est. Parce que j'étais un Kadogo qui venait de l'Est. Voilà. Donc, tout simplement, conseil que j'ai donné à. Grand frère Nathiel Okolé. Grand frère Kitsa Motema, ceux qui au Monique jusqu'à aujourd'hui ça t'arrange pas, vous devez vous botter. Et point très. Voilà. Maintenant, l'histoire là de commencer à citer XY. Mais tu sais que le petit maladif là. Non. Toxicomane. Non. Kumbindo. Non. Mouze Kumbindo, je ne sais pas quoi. Là. Non, comme on est Mouze Kindingu. Voilà. Léopard de la SAP. Quoi qu'il y ait un protocole. Attends. Mais Nathiel Okolé Moutabia, au Bengisa, Mouze Kindingu est un plateau. Déjà, je ne sais pas qu'est-ce que notre grand frère voulait faire passer comme message. Tu sais que ce petit moribond là, il est tellement insolent, impoli. Il est né avec. Et puis, il a un problème. Il est malade mental. Ça veut dire que s'il était en Europe, il devrait rester dans les cages des fous. Et tu lui donnes encore une fois la puissance de te manquer du respect. Là, j'ai vu des vidéos très bizarres où il te manque de respect. Et c'est lui qui te traite même de Tarlouz. Tu vois? Donc tu permets un énigme comme Kumbindo. Les 18, les 12, non, ça n'a rien à voir, vous savez. Il a donné sa faiblesse à un antivaleur comme ça, ça m'a choqué. Un antivaleur qui passe toute sa vie, matin, midi, soir, il fait ses lives pour insulter Fally Poupa. Pour insulter la femme de Fally, pour insulter les enfants de Fally, pour insulter toute sa famille, pour nous insulter. Mais, tu sais que ça m'a vraiment choqué, tout ce qui a été dit Nathilo. De la part de mon grand frère Nathiel Okolé. Grand frère, pardon, soyez des exemplaires parce que vous. Aujourd'hui, si moi je vais dire quelque chose, ils vont dire, toi qui es venu hier là. Donc, on n'a pas l'autorité de vous parler. Mais, moi, j'ai toujours dit, Fally Poupa, soy Moutalobi, que a bénéficié de la falité, c'est que c'est un démon. Soy Moutalobi, qui est grand dans un boyé, n'a béba, tout cela, n'a bénéficié de la falité, c'est un démon. Fally Poupa, c'était un artiste. Je vais te donner un exemple. Fally Poupa, c'était un artiste. Moussa Lanaye a zobrié. Toi, tu es à côté d'une étoile et puis tu bénéficies de rien. Est-ce que c'est normal? C'est parce que tu es bourrique ou bien c'est parce que tu n'as pas de cadenas ou bien parce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es à côté d'une étoile où tu n'arrives pas à te retrouver?
Fali Poupa, moi j'ai n'appelle ça un exemple belé. Moi j'ai dit, moi personnellement Yoro, j'ai pas besoin de demander à Fali, nourris-moi, paye ma maison, fais ceci, paye mes voyages, etc., etc. Vous savez pourquoi? Parce que la visibilité que Fali Ipupa, notre guide, nous donne à travers son art, à travers ses concerts, à travers tout ça là, c'est de l'argent. C'est à toi maintenant de savoir comment développer ça. Okay. Moi, à chaque fois, je joue sur la scène de mon grand frère Fali Ipupa. Lendemain, j'ai toujours des contrats qui arrivent. On dit, ah, on t'a vu sur la scène de Fali, ah, t'étais chaud, ah, t'as bien fait la chose, etc. Est-ce qu'on peut travailler sur tel projet? Bon, après, je vois si ça apporte beaucoup ou ça apporte peu. Mais au moins, on avance. Papa, aujourd'hui, on survit. Le monde entier, il n'y a personne qui vit. On survit tous. Même les riches sont malheureux. Tu sais que les hommes les plus riches sont malheureux dans la vie, que je te dis là. Les hommes les plus riches, c'est le plus malheureux de la vie. Donc aujourd'hui, nous tous, on survit. Il n'y a personne qui a maison à l'espace. Il n'y a personne qui a un appartement aux planètes Juventus ou aux planètes Mars. Il n'y a personne. Donc ça veut dire que si nous tous, nous roulons, si nous tous prions même que ceux qui nous ont devancés, d'essayer de nous tirer pour qu'on avance ensemble. En tout cas, aujourd'hui, moi, Fali Ipupa, en regardant Fali Ipupa à travers ta caméra, je dirais à Fali Ipupa merci. C'est le seul homme qui a respecté ma personne. Moi, Yoro, quelqu'un qui a sacrifié son avenir, sa vie pour la nation congolaise. J'ai pris des armes à l'âge de 9 ans. J'ai fait la guerre pour libérer la dictature. Pour chasser la dictature, pour libérer mon pays et mon peuple. Aujourd'hui, c'est lui qui a vu en moi que je mérite de valeur et c'est Fali. Parmi toutes les autorités que je connais du Congo. Donc, il m'a respecté. Et la façon dont il m'a respecté, là, même s'il attaque Yoro, il a dit là, dans sa tête que ça le. Que ça lui revienne aucun jour de dire que Yoro, il a fait quelque chose de mal pour me faire du mal. Jamais. Ça n'arrivera pas parce que c'est quelqu'un qui m'a respecté. Et moi, je respecte tous ceux qui me respectent. Mais si tu me manques du respect à la seconde, moi, je m'en bats les couilles. Matin, hein. Tel que tu me vois là, tu peux avoir 70 gars du corps. Si je vais te mettre à terre, je vais te mettre à terre. Je connais tout. Donc, je suis formé comme pas possible. La musique là que j'ai fait pour trouver la paix dans mon cœur. Je vois les gens. Je suis maintenant dans la société. J'aime les gens. Les gens m'aiment bien. Et j'ai survécu comme ça. Mais si tu me montres que tu es plus fort que moi, je vais te montrer que je suis plus dangereux que toi. Aujourd'hui, moi, j'ai rien à perdre dans ma vie parce que je suis un orphelin. J'ai grandi avec. J'ai été ici à Kinshasa. Je suis arrivé à Kinshasa en botte à caoutchouc. Mais pourquoi je ne vais pas partir? Voilà, il faut commencer à citer tous ceux qui sont enrichis. C'est à eux d'aller se battre. C'est leur travail. Yoro Boswag, merci vraiment. Tout solo lui pende belé. Alors, moi aujourd'hui, je dois me battre pour nourrir ma famille. J'ai fondé une famille. Il y a ma mère qui est encore en vie. J'ai des nièces, des cousines, des neveux et que je paye leurs frais scolaires. Donc aujourd'hui, je ne peux pas m'amuser. Et surtout que j'ai été chassé, boycotté. Chassé et boycotté de l'armée. N'oublions pas l'histoire de Kadogo dans l'armée. Ils étaient chassés, boycottés après la victoire. Donc nous, on a enrichi les gens. Et puis nous, on a dit, ouais, vous êtes des petits. Il faut rentrer à l'école. Il faut aller continuer vos vies là. Aujourd'hui, tu ne vas pas venir me dire, on a encore besoin de toi. Je ne vais pas venir. Prends tes enfants. Toi, tu es une autorité qui vole l'argent de l'État. Prends ta famille. Mets à l'intérieur. Ils vont aller là-bas.
Merci, alors, merci pour ton kabouana. Tout le question moi petit Fali, mais avant tout, na yo na lingi souto loba pour d'être le bilo rebelle petit Fali no sou qui ça, mais pour et ça la bien qu'on mette sous l'isolo morote boakara bama banga na yo pesambote na bato baotalo silisa bambote na yo après nga na clôturer na question ou pesi message to kati émission tout bandino bambote toki non. En tout cas là je salue Brazzaville parce que je signale à Brazzaville que demain je suis à Brazza avec petit Fali dans le Brazzavillois. Le Wario du Congo Brazzaville, Mister 3 Arena, plus plein de stades africains, Abidjan, au Sénégal, partout où on a fait, revient encore à Brazzaville. Parce que j'ai dit toujours que le Congo Kinshasa m'a forgé musicalement parlant, mais Congo Brazzaville m'a financé, m'a dit va de l'avant. C'est-à-dire que tu as les projets, mais tu n'as rien. Ma maman, Tatiana Ominga, la reine des dames. Je salue mes petits frères, les Dalen, les tout ça là, les Jonathan. Et puis, je salue Konzobila, les bijoutiers. Kukuta, Arnaud Wamba, Sassou champion. Papi leader, mon colonel, Simplice Bata. Rodrigue Nguesso, le fils de l'homme,